ici des photos que j'ai prises de la pleine lune au printemps 2022. Sacrée semaine pour tout le monde. Sacrée renaissance en cours. C'est aussi le ciel flouté, masqué par ces poussières du désert du Sahara. Mais notre lune, dame lune, céleste, satellite naturel de Gaïa, puissante et lumineuse, apporte sa puissance et son énergie pour nous bousculer tous ces instants, tous ces jours. Cette semaine, ce fut complexe pour tout le monde. Je vais surtout parler de moi, où j'ai pris donc la décision en prenant ces photos et en étant plus qu'indécis aussi, en prenant aussi du recul et d'arrêter de partir sur des échos, des mots, des sons, où un diapason vibre, vibre dans l'extrême, tourne, tourne dans le bas astral, où j'ai dit stop. Stop sur ces conditions de mon âme et de mes corps. Stop de souffrir par des échos, c'est-à-dire pour rien, pour moi. J'ai pris donc la décision de guérir mes blessures, mes meurtrissures, mes traumatismes de naissance, de l'âme, de toutes ses conséquences. Et ce matin, ce dimanche de printemps, je suis parti me promener pour photographier ce que je vois, ce que j'entends, le soleil, la nature, à la recherche de soi, à la recherche d'échos plus positifs, plus doux, plus protecteurs. Aller au fond de son âme en marchant, en étant un chasseur d'images et de sons. Et pourtant, sans changer de ton, je marche, tout en prenant ces photos, tout en pensant aussi à ce que je pourrais vous raconter, ces sensations, ces fleurs, ces lumières, ce soleil, soleil timide, où le ciel bleu est pour l'instant point là, comme diraient certains, mais les fleurs, elles, sortent. Derrière des fougères, derrière des pierres, derrière des murets. Je chasse l'image, je chasse avec un sourire de gourmandise de chaque détour. Je me mets à genoux, je me mets accroupi pour prendre avec plaisir tous ces clichés, tel un passionné. Mais à la fois amateur et à la recherche du bonheur, je prends et je vous partage ces instants en mettant petit à petit ces instants choisis pour vous, mes amis, pour vous, fidèles de tout ce que je fais, je puisse encore transmettre ces clichés sur cette chaîne YouTube où je suis passionné de vous transmettre ces énergies, de les partager assez personnellement, assez intimiste. De mes opinions lointaines, je marche pas comme un pion, mais avec mes grosses godasses dans la bouillasse parfois et dans l'eau, où avec plaisir je photographie. Je m'arrête quelques instants pour regarder, pour prier, pour regarder aussi ces croix illuminées qui est donc notre héritage chrétien ici en France, Périgord noir, Gaïa est notre terre d'accueil. Je regarde au plus infiniment plus petit, peut-être que certains trouvent commun ces fleurs de noms variés. Eh bien, je me permets de les partager avec modestie, avec tempérament, avec une certaine innocence et aussi la volonté
de vraiment faire ressentir et de balayer d'un coup une routine, de regarder, de montrer et de démontrer que juste à côté de nous, juste en marchant, en levant le ciel, en regardant par terre, à droite, à gauche, il y a des belles lumières de notre mère nature. C'est magnifique, c'est là, devant nous. C'est gratuit, c'est simple. On entend, et je vous le ferai partager, les sons mélodieux des oiseaux, de l'eau, mais aussi de l'air, l'air qui passe, qui fait chanter les arbres au niveau de leur bois, de leur feuillage, encore rarissime puisque le printemps arrive petit à petit. Des lumières en haut comme en bas, des sensations agréables qui nous accueillent, qui nous entourent. Et ça tourne tout doucement, je vous laisse regarder et je me pose. Je passe par des sentiers. Je tourne dans des petits chemins et je regarde par terre aussi que nos amis nos sangliers, que vous verrez plus tard, ont laissé leurs traces, mais aussi nos servités, quelques crottes que j'ai photographiées qui est là pour nous montrer la vie de la forêt. Et puis plus tard, vous verrez aussi que j'ai photographié des oiseaux qui s'envolent, des vaches, des veaux qui venaient de naître. Et l'eau, l'air, le soleil pour moi le feu, et la terre qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous protège. Je vous laisse maintenant regarder jusqu'au bout cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'aller jusqu'au bout de cette passion d'amateur, d'un trésor personnel de mon cœur pour passionner et de partager ce plaisir de randonneur dans nos forêts, ici en Dordogne, dans Périgord noir. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.